אני עומד על שפת נהר. Donc בעזרת השם on attend donc qu'on fait les jus de raisin. Est-ce que vous avez des petites questions sur ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous avez compris? Peut-être il faut que j'explique un peu plus. Vous avez bien compris? Comment? Tu sais que tu peux après chacun si on est vraiment on travaille vraiment on fait un vrai travail spirituellement tu peux sentir que tu es complètement différent après que tu manges et après tu peux sentir même certains aliments que t'es complètement il y a une influence quand tu manges des choses stam. C'est dire manger pour manger. C'est un plein de l'huile, des choses. Tu te sens. Ça influence. Après, il y a des gens qui. Il faut faire un travail d'être mis d'acquer, d'aller, de se purifier pour vraiment arriver à un stade que tu sens les choses. Tu sens qu'il y a une influence sur chaque chose. Mais si oh, voilà, mais tout c'est un travail. Tout c'est un travail. Vous savez, malheureusement, les gens y croient que la religieux ou être religieux, ça s'arrête dans les. Est-ce que je mélange comme ça pour la DAF ou la jupe, c'est quoi, quatre après les. Ils arrêtent sur. C'est important, mais ce n'est pas encore ça. C'est un univers, c'est un océan profond qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et c'est dommage de. Chut, les filles, essayez de. Chaque chose qu'on dit, c'est important, Bezrat Hashem. Comme ça, on est Baruch Abba, Sophie, Shana Tova. Moi aussi. Oui. Excusez-moi, il y a une spiritualité dans toutes les choses. Et c'est quand on fait les brachot, c'est quand on enlève. Non, quand on fait la bracha, c'est endormi. Quand tu fais la bracha, tu les réveilles. Tu comprends? C'est pour ça, Hashem, il te dit. Hachem, il nous dit, je t'ai donné, Natati, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, regardez, je te donne devant toi, voilà, tu rentres maintenant, Hachem, il a créé la Neshama, il a pris la Neshama en dessous des troncs célestes et le corps de la terre, il a mis ensemble, en voisinage dans un corps. Maintenant, il dit à l'homme, je t'ai donné devant toi la vie, elle est bien, la mort, elle n'est pas bien. Et tu choisiras la vie. C'est quoi la vie? C'est un petit peu travailler sur chaque chose, pas comme ça. Ça veut dire que si tu comprends que dans cet aliment, il y a une nitzot, il y a une étincelle, d'accord? Maintenant, je peux la réveiller dans la manière que je fais la bracha. Maintenant, c'est pas toujours, je suis pas, c'est pas toujours qu'il y a une réincarnation d'une neshama, mais c'est possible. Il y a plein d'histoires de chachamim que. Faisaient les brachot de Kavana parce qu'ils savaient qu'ils ont une tikkun à faire à une neshama qu'elle va venir à travers des nourritures. Vous savez que nous, on croit que la nourriture, c'est on mange. Vous savez que Zichrono Livracha Rav Kadouri, vous savez ce que c'est Rav Kadouri, c'est gadol. Énorme génération, mais il est. C'est comme il y a toi, il est décédé il y a quand même 30 ans. Non. Comme il y a 20 il ans. A marié mon cousin, ouais, il y a. Bon, l'homme, il n'a pas. C'est quelqu'un qui. On ne parle pas de Baal Shem Tov, mais. C'est un mekoubal énorme, c'est un tzaddik énorme. Quand les gens venaient chez lui, il mettait des choses à table, il disait Tetaken, répare. Vous comprenez? Il ne disait pas manger, répare. C'est que la nourriture, c'est réparation. Mais nous, on a pris le côté des plaisirs, comme malheureusement aujourd'hui. L'homme, il tourne au rond. Tu comprends? Il cherche des plaisirs. Il cherche. Alors, les restaurants, c'est devenu une butte. Mais les manger, c'est, il y a quelque chose à faire avec les manger. Tu comprenez? Bon, Bezrat Hashem, alors on a fait les geffen.
On a servi tous. Oui, on va aller. Bon, alors Nicole. Ça, j'ai retenu les noms. Gamal. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Hagefen. Amen. Amen. Magnifique. Bezrat Hashem, comme on l'a dit au début, on a dit que pourquoi cette lumière et après on rentre dans comme une routine. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que toute cette lumière qu'on a vue, des décisions qu'on a prises, Bezrat Hashem, on essaie de les mettre un petit peu en pratique. Le début de l'année, on a été parachat Bereshit, la Noach, toutes les parachats des débuts, de quelque chose des débuts. Chachamim, il dit qu'on a un homme, il construit sa maison. C'est une halakha, quand tu construis ta maison, il faut mettre une barrière. Pourquoi les barrières? C'est là qu'on ne tombe pas. C'est que l'homme, quand il construit sa maison, sa vie, son monde à lui, vous savez que le monde, c'est un grand homme, et l'homme, nous, chacune de nous, sans exception, Chachamim, il dit, la Rizal dit, c'est un petit monde. Tout ce qu'il y a dans le grand monde, il y a dans l'homme, dans son monde à lui. Donc si on veut construire notre monde, comment Hachem il a créé le monde? C'est marqué « Istakel be'oraita » ou « Bara alma ». Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, que lui-même il a créé la Torah. C'est lui qui l'a écrit la Torah. Mais quand il voulait créer le monde, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Chachamim dit, si tu veux créer ton monde, tu veux créer ta famille, tu veux créer ton couple, tu veux te marier, tu veux être une grand-mère, tu veux être tout ce qu'on veut. On veut créer notre monde. On est un monde. Chacun de nous, c'est un monde. Chacun de nous, elle traverse un voyage dans ce monde, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Et pour traverser ce voyage, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné tout ce qu'elle a besoin pour construire son monde. Disons que bon, tu n'as pas fait attention. Tu ne savais pas, je suis un monde petit, moi je ne savais pas. Bon, disons que l'homme il commence à prendre conscience, il dit, cette année, Bezrat Hashem, je vais être quelqu'un vraiment, je vais investir. Je vais, la Torah, c'est pas, vous savez que malheureusement, quand on veut faire des grandes études, quand on veut faire, je ne sais pas, un politicien, je vais être un joueur un jeu, ou je vais être un grand musicien. Si on te dit, tu sais, il y a un investissement, hein, c'est jour et nuit, hein, c'est un entraînement, c'est une étude, c'est, tu ne dors pas la nuit, tu donnes à fond. Mais quand tu as un but, tu dis, ce n'est pas grave. Combien de fois, des études, tu dis, combien ça va finir? 8 ans, 9 ans, oui, mais après, c'est ton but. Et même après, tu dis encore, je vais encore. Pourquoi? Tu n'as aucune miséricorde pour toi. Tu veux aller jusqu'au bout. Dans tous les domaines, il y a un investissement. Mais le Yetzer Hara, dans tout ce qu'il concerne l'avodat Hashem, qu'on doit prendre ce voyage, qu'on doit faire notre monde à nous dans ce monde, tout ce qu'il concerne de construire notre monde, ce qu'on appelle choisir la vie, le Yetzer Hara, comme s'il nous endort, que ça, si tu fais une petite chose, ça va. C'est pas la peine. C'est comme les gens disent, je fais, tu sais, de temps en temps, je fais Shabbat, hein, de temps en temps, je mange kasher. Pourquoi il n'y a pas un investissement sur le côté que je dois créer mon monde? Parce que l'homme, il ne connaît pas ce devoir qu'il a dans ce monde. Le Rambam, il dit, si un homme veut construire son monde, d'avoir Rishon, avant tout, qu'il veut créer son monde, mamash. Il y a des gens, j'ouvre une parenthèse, qui disent, cette année, je vais vraiment un petit peu avancer dans la religieuse. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai envie d'avancer tout. Quand ça commence des choses à être en permanence un peu dur ou je ne sais pas, il n'y a aucune énergie qu'elle vient, il lâche tout. Mais pour faire des études aussi, c'est dur. Pour élever des enfants, c'est aussi dur. Pour être marié, c'est aussi dur. Faire n'importe quelle étude ou travail, c'est aussi dur. Pourquoi on ne lâche pas? Tu ne dis pas à ton mari, prends les enfants chez ta mère, c'est dur, je ne peux plus. Ou tu dis à ton mari, c'est dur d'être marié, je lâche. Dans aucun cas, on lâche les choses. Quand il s'agit d'avodat Hashem, de construire mon monde, que je suis venue, les filles, dommage que vous n'écoutez pas de Tzadikot, écoutez une heure de temps et après je vous laisse.
quand il s'agit de construire mon monde, que je suis venue ici pour faire des réparer des choses, on laisse tomber. Pourquoi? C'est marqué « Akol bide shamayim, chutz mirat shamayim ». Chachamim me dit tout dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc, ça veut dire quoi, tout est dans la main du ciel? Ta santé, ta parnassa, tu auras des enfants. Comment ils vont être les enfants? Comment il va être ton mari? Comment tu vas être en bonne santé, très sage, moins sage, tout ça, c'est dans la main du ciel. Alors, qu'est-ce qui dépend de moi? Une chose dépend de toi. La crainte du ciel, elle dépend de toi. Tu t'imagines? Quoi? Ça, on va dire 99%, c'est le ciel, et 1%, c'est moi. Et quand on voit le monde, comment on vit, qu'est-ce qu'on fait? 99% on investit pour travailler, pour être en bonne santé, pour Khalila, oh, il va voir si j'ai loupé quelque chose qu'il va me manquer pour réussir le travail. Et que j'aurai encore de l'argent. Et oh, il va voir pour la santé. Oh, j'ai attendu ça, il faut faire... Tout ça, l'homme, il investit à fond. Et tout ce qu'il est en rapport avec Hachem, comme ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui donnent 4, mais la majorité, 1%, on donne de temps en temps comme ça, on jette un petit... Pourquoi? Ça, c'est la avoda. Ça, c'est le résultat du travail de qui? De Yetzer Hara, des mauvais penchants qu'il a mis, qu'Hachem, il a mis dans ce monde. Donc Hachem, il dit, je te dis, je te donnais la vie et la mort, tu choisiras la vie. Mais comment tu vas choisir la vie? Sache, si tu veux choisir la vie, sache une chose, c'est très difficile. On va dire même d'office, c'est perdu d'avance. Mais il y a ce virus-là que j'ai créé dans ce monde, que ce virus, cet Yetzer Hara, cet que Chachamim il appelle Malach HaMavet, les mauvais anges, les Paro, les Amalek, toutes les mauvaises choses. C'est vrai, c'est moi qui l'a créé. Mais sache que j'ai créé une remède contre lui. Si tu prends cette remède, c'est bon. Mais si tu ne le prends pas, c'est impossible de choisir la vie. C'est impossible. Tu vas choisir la mort et tu vas appeler ça la vie. Est-ce que vous comprenez ou pas? Aujourd'hui, à quoi les gens ils appellent la vie? Ah, on fait la vie. Quoi? Tu tournes au rond. Combien tu vas aller au bois de nuit? Combien tu vas manger? Combien tu vas acheter des sacs et des voyages et des voitures et des matériels? Tu vas vivre quoi, 400 ans? Combien? Le Yetzer Hara nous fait oublier qu'il y a un but. Maintenant, tu peux manger, avoir une très très belle vie. D'accord? Mais à côté de ça, n'oublie pas d'élever la spirituelle qu'il y a dans la matière. Les gens, ils se focalisent que sur la matière. Il oublie la spiritualité, il appelle ça vie. Ce qui fait que l'homme, avec le temps, il devient triste. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a essayé beaucoup de choses, il n'y a rien qui lui fait quelque chose. Ce n'est pas ça. Donc il dit, bon, on va essayer une nouvelle chose. Ah, j'ai une idée. Jamais j'étais à Thaïlande, c'est là-bas que je vais trouver mon... Ça va me faire beaucoup de bien. Ok, tu es parti à Thaïlande, voilà, tu es revenu. Alors quoi? Il faut chercher une nouvelle chose. C'est que l'homme, il crée des vides, il les remplit, il voit que même rempli, c'est pas ça. Les jeunes aujourd'hui, c'est avant, ils prenaient un petit verre coca ou après ils fumaient quelque chose. Maintenant, si vous savez, des drogues dans des écoles, c'est shigaon. L'homme, il cherche un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est venu en dessous des troncs célestes. La Neshama, elle a goûté cette lumière. Une grande lumière, on l'a pris cette lumière. Elle descend dans un monde de recherche, obscurité. Elle cherche, la Neshama, cette lumière où elle était avant qu'elle est venue dans ce monde. Comprenez? Donc c'est comme si c'est déjà vous. C'est comme les bébés dans le ventre. Ça sert à quoi qu'on a fait une lumière? Toute la Torah, il sort, on le fait oublier. Pourquoi? Parce qu'un jour que tu vas étudier, c'est pas une nouvelle fois. C'est quelque chose qui était en toi. C'est pour ça qu'on sent, on a des frissons de certaines musiques ou des choses. Ou des, on sent, il y a des gens que chacun, dans l'endroit où il est dans le monde, putain, ça déclenche. C'est la Neshama. Donc l'homme, il cherche un plaisir, mais il ne sait pas qu'il cherche d'être proche d'Hachem.
Alors il traduit ça qu'il me faut beaucoup d'argent. Il me faut que je fais le tour du monde. Il me faut. Donc ça fait que Chachamim il dit en adam met vechatzit avato biyado. Un homme quitte pas ce monde, il a la moitié de ce qu'il a rêvé, il a. La moitié, il n'a pas. Ça veut dire qu'il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Il a 400, il peut être jour et que s'il aura 800, il serait le plus heureux. Ça, il ne veut plus. Il aura 800, il veut maintenant 1600. Et ça ne finit jamais. Et l'homme, il est toujours, il a une tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a un manque. Vous savez, il n'y a pas un homme plus triste que celui-là qu'il croit qu'il a une manque. Manque par rapport à la société, manque par rapport à Paul, Pierre et Jacques, manque Hachem, il m'a oublié. Donc, les gens, ils deviennent malades, il y a des maladies, parce que les gens, ils se sentent toujours, il me manque quelque chose. Mais si ta vision de la vie, elle est bien cadrée, et tu comprends que Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, choisis, ou tu choisis la vie, ou tu choisis pas la vie. En tout cas, choisir la vie, c'est savoir que chaque chose, il a une conséquence. Tu peux faire vivre chaque chose. Chaque parole que tu sors, c'est inexistante. C'est pas simple comme ça. Vous croyez que être religieux, c'est quoi? C'est la longueur de la jupe. Tu couvres la tête, tu couvres pas la tête. Tu as fait X, Y, Z. Tout est important. Mais c'est des océans. C'est océan que plus tu plonges, plus tu nages en profondeur, c'est un monde que finalement, tu comprends que pour créer ma vie, mon monde à moi, je ne peux pas sans la Torah. Qui va me dire comment je vais être? Quelle maman je vais être? Quelle épouse je vais être? Comment je vais être avec les enfants? Comment je peux comprendre qu'est-ce qu'il est interdit, qu'est-ce qu'il est permis dans la nourriture? Parce que la nourriture, c'est moi. Ce que l'homme, il mange, il devient. Comment je peux savoir les interdictions? Vous savez, quand on transgresse Shabbat, ça nous abîme dans notre neshama. C'est comme si tu mets une tache sur une grande belle robe blanche d'une kala. Direct, elle est encore même pas rentrée dans la choupa. On verse sur elle sans faire exprès un jus de raisin. Va maintenant nettoyer. Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est ce qu'on entend en Grèce Shabbat. D'où je connais tout ça? J'ai besoin de la Torah. Quand je vais faire des business, comment je peux savoir d'être honnête, de ne pas voler, de ne pas faire des pièges à l'autre? J'ouvre une parenthèse, parce que l'homme, tout ce qu'il fait dans ce monde, tout, c'est mesure par mesure. C'est juste pas le même temps, ce que vous comprenez. Tu plantes une graine de pamplemousse, un jour, tu auras un arbre de pamplemousse. Peut-être pas à côté de chez toi, mais quelque part, mais il va t'appartenir. Tu plantes quelque chose de mauvais, aussi il va. C'est... Vous savez, comprenez, c'est pas facile à comprendre, on le voit, c'est plus ça va, plus on voit ça. Donc, j'ai besoin de la Torah pour construire mon monde à moi. Les gens, ils croient que bon, ils sont jeunes, c'est pas grave. Vous savez, des fois, les mamans, ils voient les enfants, ils font des choses à ne pas faire, même s'ils ont que 12 ans, ou 13 ans, ou même s'il a 8 ans. D'accord? C'est vrai, il y a un autre langage. Mais comme on sait, c'est une plantation. On plante, on prend des graines. Et tu plantes. Comment tu expliques? Maintenant, pour que j'explique à mes enfants, ou je sois une bonne, on va dire, pour mon mari, une bonne demi, je sois construire mon monde à moi. Aujourd'hui, les parents, ben, mais je ne vous raconte pas des histoires, vous devez aussi savoir. Tes parents, c'est mamache, ils ont arrêté d'éduquer, ils n'ont plus la force. Mamache, ils n'ont plus la force. Qu'est-ce que tu veux? Un jour terrible, des choses, tiens. Qu'est-ce que tu as fait? Une chemin. Court qu'elle devient longue. Pourquoi? Les chemins courtes, c'est donne. Prends, laisse-moi tranquille. Chemin longue? Non, pourquoi tu veux que je te donne? Parle avec lui 3 heures, sois indiscret. Qui sent un neshama, qui sait pas, tu veux pas parce que tu es énervé ou tu t'es levé à l'envers. Non, je vais pas te donner parce que c'est pas bien pour toi. Et je t'explique. Et je vais prier que tu me comprennes jusqu'à l'enfant, il sent que c'est la neshama de ma mère qu'elle parle. Donc les parents, ils ne sont pas éduqués eux-mêmes. D'accord? Éduqués, ce n'est pas Khalila. Je ne parle pas de... C'est que le monde à nous, si on ne l'a pas construit, on ne peut pas... Comment on va rayonner autour de nous? Les enfants, ils regardent, ils attendent. Maman, mets-moi une petite limite. Dis-moi non. Au moins une fois, dis-moi non. Parce
Il n'y a pas beaucoup de noms aujourd'hui. Je vous assure. Donc, le problème que nous, si on croit que la Torah ou la religieux, c'est comme ça à la derrière. Ce que tu fais, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Hein? On n'a rien compris. C'est marpe la nefesh. Chachamim, il appelle la Torah marpe. C'est quoi marpe? Un médicament pour la neshama. C'est pour toi. Et d'ailleurs, dans la Torah, il y a aussi tout la médecine. Toute la médecine, elle est dans la Torah. C'est simplement dans la Torah, tu as les vitamines qu'il faut pour les yeux, pour les oreilles, pour les nez, pour les dents, pour la langue, pour les cœurs, pour les reins, pour les cerveaux, tout. À travers de quoi? Dans une année entière. 365 jours, chaque Shabbat, chaque Rosh Chodesh, chaque fête, chaque régal, régalim, les régalim, Sukkot, Shavuot, Pesach, c'est des vitamines qui nous nourrissent très très fort. Nourrit de quoi? La joie, une vitamine. Maintenant, tu auras la joie. Pesach, tu sois libre, pas esclave. On voit les gens, combien on est esclave aujourd'hui de nos envies, des gens. Il y a des gens qui sont esclaves de qu'est-ce qu'ils disent les gens, comment ils vont. Pesach, si tu le vis comme il faut, c'est une vitamine qui te libère de plein d'esclavages. Si tu as Sukkot, c'est une vitamine qui t'aide à être besimcha. Même si tu n'as rien du tout, tu n'as même pas un euro dans ta poche. On comprend à travers des fêtes de Sukkot que c'est rien à voir de ce que je possède. Simplement, la Sukka, c'est comme si Akadosh Baruch Hu t'enlace dans les bras. Et quand tu es à côté d'Hachem, quand tu as compris ce que c'est Hachem, on va revenir à le premier, ce qu'on a dit au début, si tu as compris, tu as tout. Si tu es avec Hachem, tu as tout. Pourquoi? Parce que tu as les meilleurs médecins du monde. Tu as les meilleurs banquiers du monde. Tu as les meilleurs psychiatres, psychiatres, analystes, psychologues que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Zanou mefarnes, ani Hachem rofecha, ani malbish. Qu'est-ce qu'on dit dans le bracha le matin? Zokef kfufim. Il met droit ceux qui sont corbeaux. Il habille ceux qui sont nus. Il donne a vu ce qu'il ne voit pas. L'écoute, tu es avec le roi du roi du roi. Et toi, tu es sa fille, donc tu es une princesse. Donc tu vas nourrir direct. Tu n'es pas les nations. Il nourrit. C'est aussi la créature d'Hachem. Mais c'est une autre distance. Est-ce que vous comprenez? Donc imaginez-vous, tu viens dire à quelqu'un, tu veux réussir ton étude, qu'est-ce que tu vas faire? Une étude, quoi? Tu vas être cardiologue? Bien, j'ai une proposition à te faire des études. Voilà, tu lui montres qu'est-ce qu'il faut faire. Tu l'expliques où il y a toutes les chances de réussir ses études et d'arriver au but. Et tu dis non, j'ai pas la force. J'y arriverai pas. C'est dur. Ah, tu préfères faire dans une autre manière. Ça, c'est exactement aujourd'hui qu'on met de côté la Torah. Ça veut dire les seuls pourcentages qu'Hachem te dit. Développe la crainte. D'accord, on ne veut pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux, toi, être responsable de la parnassa, de ta santé? Tu vas tourner au rond. Parce que la parnassa, combien de gens on a vu des sommitaires? Le lendemain, Shem Ishmor, zéro. Combien de gens en bonne santé? Mazé, il faisait des sports, chassa, vitamine, oh, il va voir pour un petit ventre, tout va bien, bon. Tu vois que la gvoura, la santé, des choses très qu'on ne peut même pas comprendre. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, et même à l'envers, les gens qui étaient finales, pitom ils sont parmi nous, des gens qui étaient très pauvres, il n'y avait même pas de quoi payer l'école des enfants, de quoi manger. Pitom, l'at, ça illumine. Qui il fait tout ça? Comment on explique, comment on crée une don? Comment un homme qui est sorti de la racine, comprenez comment notre corps, comment tu peux dire qu'on peut tout comprendre? On ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle a une limite. Où les limites de la connaissance, de la logique s'arrêtent, là, ça commence une autre dimension. La émouna, qu'on appelle la foi. La foi, aujourd'hui, elle est très chère. Parce que l'homme, il est devenu très chacham, très sage. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as une information sur X, Y, Z. Donc les gens, moi je sais beaucoup de choses. Mais Emunat Mima, que Dieu,
il était, il est là, il sera là, ça c'est difficile pour les gens. Donc c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Il dit, prends la Torah, construis ta vie, tes Bereshit maintenant, début de l'année. T'as vidé les verres. Il était rempli de toutes nos averot, n'akhon? On a vidé à Yom Kippour. Maintenant, commence un nouveau chemin. T'es comme un nouveau-né. Commence, prends des initiatives. Dis, Bezrat Hashem, Hashem, aide-moi. Je ne sais pas comment, dirige-moi comment. Arrêtez d'être, accuser les gens dans mon cœur, toujours dire, dans les cœurs, dans les visages. Non, mais dans les cœurs, j'ai toujours, je ne suis pas contente. J'ai toujours des choses à dire. Je vois toujours le mal. Je fais toujours la shonara. J'ai toujours énervé, toujours rancunière. On a tous un petit peu de tout ça. Qui le pédé en homme, moi, Zen et Malach. On n'est pas, on est tous, on a des midot à travailler. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la force et les forces que Bémet, on arrive à être comme il veut qu'on soit. Mais on est tous dans cette balagan de comment. Mais la Torah, elle est là. Elle te dit, prends, tu as des vitamines. Tu as une halachot, tu as des dinim. On te explique comment te préserver. Rak le lashon hara. Chachamim dit, qui c'est qu'il veut la vie? Qui c'est qu'il veut la vie? Vous savez, une fois, le Chafetz Chaim, il est rentré dans une kfar comme ça. Il a crié, qui il veut la vie? Qui il veut la vie? Tous les citoyens sortis couraient vers lui. Oui, oui. Quoi? Il croyait qu'il a une bouteille avec, c'est pas des graines comme ça qu'il donne la vie. Il a dit, vous voulez tous la vie? Faites attention à ta bouche. Parle pas comme ça. Les gens, ils s'assoient, ils ont rien à faire. Tu as vu, c'est là. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. J'aime pas. Elle a changé la voiture, mais elle a fait comme moi. Et son mari, il est comme ça. Elle a fait. Et son fils, il a frappé ma fille. Mais tu sais, ils sont tous une famille. Oy vavoy, on creuse. Je ne vais pas dire ce qu'on creuse. C'est une catastrophe. C'est comme si tu prends un verre de jus de raisin et tu jettes sur une robe toute blanche. Tu t'imagines? Ça maintenant, de où je sais qu'est-ce qu'il faut que je... Bah, il ne faut pas que je parle, mais j'ai besoin de parler. Quoi? Il ne faut pas parler. Ta fille, elle vient de l'école. Elle est angoissée. Elle a 14 ans. Tu vas lui dire, non, 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 c'est de la shonara. Tu ne peux pas, tu es obligé de la parler. Donc, il faut savoir, il y a une but constructive. Il y a un maman que c'est même une mitzvah d'écouter, que ce soit ta fille, une amie, il y a des halakhot, va étudier. Tout ça, c'est dans la Torah. Pour un livre, halakha par jour. Il y a combien de jeunes filles qu'ils rêvent de marier avec un tzaddik, qu'un garçon bien, et leur mère, elle rêve. Tu peux faire attention un petit peu à ta shmirat negia avant que tu te maries. Shmirat negia, c'est qu'on ne touche pas. Vous savez, ça, c'est une remède. C'est comme si on te dit, tu veux être bien bronzé, tu prends cette... il paraît qu'il y a une pilule pour être bronzé. Tu les prends 6 mois à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? 6 mois à l'avance? Des mois de janvier jusqu'au mois de juin, je les prends pour être bronzé. Oui, une remède. Tu veux, Bezrat Hashem, protéger ton futur pour ton bon mari, dès maintenant, tu vois. Bon, je ne parle pas maintenant, une fille religieuse, elle ne fréquente pas Bichlal, mais une fille qui n'est pas religieuse. Tu ne laisses pas toucher, aucun garçon, il te touche. Ça, de où on sait? Encore la Torah. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Comment est-ce une épouse? Comment est une grand-mère? Comment est une maman? Tout ça, c'est la Torah. Maintenant, je vais construire mon monde. Hashem, b'chvodo b'atzmo, il a regardé la Torah, il a construit son monde. Alors nous, on a tout devant nous. Hashem, il te dit, akol bide shamaim, t'inquiète pas. Ta santé, ta parnassa, tes enfants, akol. Bien sûr, ça ne veut pas dire, akol, tout ça Hashem, donc je vais dormir, je ne fais rien, pas du tout. Nous, on a besoin de faire ishtadlout. C'est quoi ishtadlout? Effort. Les efforts, bien sûr, tu es obligé de faire. Pourquoi l'effort, elle prépare quoi? C'est comme si je t'ai dit, s'il te plaît, Rena, sers-moi à boire. Donc, j'amène un ustensile. Sinon, comment elle va me servir? Les ishtadlout, l'effort, c'est qu'un ustensile. Après, c'est Hachem qui le met. Tu fais une ishtadlout, tu fais un effort pour avoir des enfants. Comment ils vont être? Ça, c'est. Toi, tu fais le maximum leur donner une bonne éducation. Comment ils vont être bassof? Un, il va être Esav, ou l'autre, il va être et Yaakov. Ça, ce n'est pas dans le moment. Mais je fais le maximum. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, Bezrat Hashem, c'est, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, faites ishtadlout, ce que vous avez besoin, mais le reste, faites confiance à moi. Qu'est-ce que la Mishnah, elle dit? En alecha melacha ligmo. Ce n'est pas à toi de finir le travail. Commence.
tu vas pas la terminer. Mais de l'autre côté, la Mishnah, elle continue. Ve'en ata ben chorin libatel imina. Le gens qui dit, ah, j'ai appris qu'il y a tant, tout est c'est dans la main d'Hachem, donc je fais rien. Je reste comme ça. Et la parnassa va venir. La santé, je vais manger. Je fais, non. Il faut faire une ishtadlut. Maintenant, il y a des niveaux de tzadikim que pour eux, faire un effort, c'est un défaut. Eux, tout vient à eux. C'est comme il y a une histoire comme ça, mamash, une vraie histoire, d'un homme pas religieux du tout, du tout. Que, vous savez, on dit, la Mishnah, elle dit, chaque personne, il a un moment que ça réveille. On ne sait pas quand. Des fois, tu vois les gens, tu dis, ah, celui-là, ça ne sert à rien de lui parler, c'est une mur. Tu ne peux pas savoir. Puis tombe cette personne, il est parti, je ne sais pas exactement dans l'histoire pourquoi, il était dans une synagogue. Il a attendu une dracha d'un rave. Ça lui a fait un tremblement de terre dans sa vie. Le rave, il a dit quoi? Un homme qui a une bitachon d'Hachem, tu ne dois pas travailler. Il faut étudier la Torah. Tout va venir. Lui, il est retourné chez lui. Il a dit à sa femme, écoute, fini, tu vois cette chambre, cette table. Je vais qu'étudier, étudier, étudier. Sa femme, elle a dit, bon, ça va lui passer, le prof, peut-être. Bon, elle laisse un jour, deux jours, une semaine. Il dit, tu sais qu'il faut qu'on mange. Hein? Il lui dit, à la seconde qu'elle dit, il y a deux Ishmaélim, deux gens musulmans qui viennent, qui louaient à l'époque les l'âne. Je ne sais pas dire l'âne, chaque fois je me trompe. Nan ou l'âne. L'âne, voilà, je commence à dire bien. Ah, non, je il avait un l'âne. Et ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent leur louer. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, prenez-le. À 5 heures, il doit être là. À la tombée de la nuit, il doit être là. Voilà les locations, pas de problème. Il a déjà fait ça, mais là, il leur a loué. Ces deux-là, ils sont partis. C'était des chercheurs de pierres précieuses en brut. Dans les mines comme ça. Et un, il devait aller chercher les manger. Il a dit, maintenant, je vais amener les manger. Je vais mettre les poisons à mon ami. Comme ça, toutes les marchandises qu'on a sur l'âne, je ne les prends que pour moi. L'autre, il a préparé comme ça tous les tapis et tout qu'on vient. Il a fait un trou énorme, que c'est un grand vide. Il a dit, comme il va s'asseoir, je lui ai dit, assis-toi, comme ça on mange, il tombe. Moi, je mange, je prends tout. Chacun, il a piégé l'autre. Ça fait que l'autre, il a mangé, il est mort, l'autre, il est tombé. L'âne, il attend. Il était fidèle à son patron. Il revient chez lui. Sa femme, elle attend, elle entend du bruit, parce qu'il faisait des bruits, il avait faim. Elle dit à son mari, regarde, il est revenu, mais où ils sont? Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, il a compris qu'il est devenu pas riche, pas milliardaire, milliardaire de tous les villages. Ça a fait un tremblement de terre dans ce village. Tout le monde parti voir cette rave. Comment ça se fait? Nous, on étudiait non-stop, on n'a même pas une petite poussière d'une pierre. Lui, comment ça se fait? Jamais été religieux, jamais on ne le connaît. Toute la... Le rabbi, il aura dit, quand ta emouna, ta bitachon Hachem à 1000%, à 100%, Kadosh Baruch Hu, mesure par mesure, Hachem tzilcha, aliyad yemincha. Kadosh Baruch Hu, il est comme ton ombre. Comment tu es avec lui? Il est avec toi. Tu fais confiance 10%, il va être présent 10%. Tu fais confiance 100%, et il est présent 100%. Comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a des tzadikim qui sont malades, ils savent, ils prient Hachem, ils leur guérissent. Comprenez? Mais la majorité, l'homme en général, il doit aller, Hachem il a donné une permission au médecin de guérir. C'est pas lui qui est guéri, il a une permission. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'impression que c'est nous qui on gagne l'argent. Mais c'est ce que vous comprenez que tout... Exactement. Maintenant, celui-là qui a cette confiance, cette émouna, il est plus dans le teva, il est plus dans cette nature. C'est quoi la nature de ce monde? Tu mets une graine de pamplemousse, on a dit, un arbre de pamplemousse. Lui, il est passé à mettre une graine d'une pamplemousse, il peut lui sortir une orange ou une caroube, ce qu'il veut lui.
ce que vous comprenez. C'est pas important ce que tu fais comme ishtadlut. Tu fais rien du tout. Tout ce que toi tu veux, retson ira aviase. La volonté de ces craintes, des hommes qui craignent Hachem, qui vivent avec Hachem à 100%, c'est une autre dimension. Ils sont mais à la teva, ils sont en dessous de la nature. L'homme qui vit avec sa nature, il est obligé de faire des efforts. Est-ce que vous avez compris jusqu'à là? Peut-être on fait quelques brachot, non? Je vais juste voir. Vas-y, ça doit être très tardé. Voilà. C'était trop beau, ça fait trop longtemps. Merci, mamie. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Salut, madame. Au revoir, Rina. Ça déquête, ouais. Ça déquête. Tu veux voir comme ça, elle m'a servi de Lorena avec les kéliques. Et... Merci. On fait à Etz. Bye, mamie. Et on ne fait pas des brachot sur coca et de l'eau et de gazoza parce qu'on a fait jus de raisin. Quand on fait sur les jus de raisin, ça inclut tous les boissons. Alors, on fait quoi, la Etz? Maintenant, j'ai oublié de dire une chose. Quand on fait maisonot, c'est une remède pour la parnassa. Pensez comme ça. C'est une remède, hein. J'ai pas dit que... Maintenant, quand on fait Geffen, c'est Bezrat Hashem, ceux qui n'arrivent pas à avoir des bébés. Ceux qui arrivent, il y a une autre avis qu'elle dit que Geffen, c'est pour avoir un zivug, les deux. Un zivug amen, Bezrat Hashem. Comprenez les cours et ça va aller. Allez. Et Bezrat Hashem, quand on fait à Etz, c'est que nos enfants, Bezrat Hashem, soient dans le bon chemin, en bonne santé, Bezrat Hashem, qui Hashem les protège, tous les enfants de Israël. Quand on fait Adama, ça c'est refouah, c'est la guérison. Refouah Shlema, Bezrat Hashem. On va faire maintenant pour le cours. Et quand on fait Shakol, c'est tout. On rend c'est tout. Le bonus. Bonus. Alors maintenant on fait à Etz et on va faire les cours Lilu Nishmat, Marcel Batrasiba, Chaim Victor Ben Maïsa, Chaim Yosef Ben Emma, David Ben Maïsa. Joseph Ben Frecha, Tita Bat Sarah, Frecha Bat Sarah. Si vous avez des noms, c'est bien de faire Elohim Nishmat, élévation de l'âme. C'est bien, c'est bien. Si vous avez des noms, sinon on passe à Refouah Shlema. Refouah Shlema, la bonne guérison, Bezrat Hashem. Si vous avez des noms, Israël Ben Marcel, Shlomo Ben Rachel. On va passer comme ça, tchik-tchak. Vous avez des noms? Des noms? Dina Bat Esther. Dina, mais il faut dire Amen. Hein? Amen. 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 Vous avez des noms encore? Nicole Simcha Bat Flori. Amen. Bezrat Hashem. Est-ce que la prochaine fois, si vous voulez, on peut faire une petite afrashat chala? Oui, c'est ce que j'ai dit à Rena. Si Dieu veut, la prochaine fois, on fait afrashat chala et c'est bien aussi. Exact. Tu es au courant? On en a parlé en passant. Avec Anna Bekoar, c'est une grande fille, Anna Bekoar, Machou. Donc Bezrat. Hein. Non, c'est une musique, mais c'est une musique qu'on peut prier tranquille, c'est quelques minutes, mais en même temps, c'est une fille là. On le fait ça dans le Kriyat Shema aussi. Est-ce qu'on fait alors. Juste, tu as des pics pour les olives? Sinon, il y a les olives. Ah, très bien. Déjà piqué. Ah, bah très bien. Hop, moi je prends que. Hop. Ça vous va, les filles? Oui, oui, oui. Ah, mais du coup. Bah, prenez les entier, hein, moi, je vais juste les olives parce que c'est bien de prendre les olives avec un pique, pas avec les mains. Merci. Voilà. Vas-y. Il y en a d'autres, hein, peut-être passer d'autres questions. Est-ce que vous avez des petites questions ou des grandes questions ou Bihlal, une question? Je m'inquiète quand il n'y a pas de questions. Je m'inquiète. Il y a des fourchettes sinon dans le tiroir. Non, ça va. C'est bon, oui, c'est magnifique. Kol hakavod, ma chérie. Dieu te donne la longue vie, la santé, la bracha. À tous, bien sûr, mais. Amen. Grâce à Dieu. On commence. Et Nicole. Allez, Nicole. Allez, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Peri Haetz. Amen. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Peri Haetz. Amen.
c'est toujours bien de prendre avec les mains droites. Main droite, c'est bien. Comment? La main du Sheva. Bezrat Hashem, si on peut prendre avec la main droite, c'est très bien. Comment? C'est pas grave, mais les doigts, c'est bien. Ken. Donc, Bezrat Hashem, si on a compris que Chachamim il dit Akol bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, ça veut dire, je comprends que quoi? Que cette Bereshit, quel âge on a chacun? Il a attendu déjà minimum 30 fois Bereshit, hein? Si c'est pas plus. D'accord? Donc, chaque fois, chaque année, Akadosh Baruch Hu, début de l'année. Ça y est, on a fini les fêtes. Là, on commence à mettre les choses en place. C'est un petit, comme une petite routine, là. Et là, on voit exactement où ça va, toute cette lumière. Quoi? Maintenant, où est cette lumière? Maintenant, les hâtes. Chaque jour, chaque semaine, on doit construire mon monde à moi. Et je commence à prendre... La Torah, c'est comme une béquille. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher des solutions où il n'y a pas. Je vous assure, des fois, les gens, ils ont beaucoup, beaucoup de soucis. Si juste ils commencent à regarder un petit peu ce que la Torah, elle dit, ils vont un petit peu impliquer les choses, un petit peu changer les choses, leur vie, elle va changer. Le problème, c'est que si on ne prend pas tout ce qu'il y a dans la Torah pour faire cette voyage dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Je vais combattre cette mauvaise penchant sans aucune gilet pare-balles, tranquille. Je me balade dans des pays dangereux, dans un pays, comme on dit, ennemi, Azav et Rafiach et tout ça, et avec une kippa, etc. Tu dois te protéger. Déjà, il faut faire attention. Vous savez que les Yetzerara, il est là pour nous faire tomber. Son job, c'est ne pas te laisser réaliser l'avodat Hashem. Il va essayer, il tourne autour de toi. Chachamim, il appelle Zvouv. Comment il appelle Yetzerara Zvouv? C'est quoi Zvouv? C'est une mouche. Une mouche, il tourne. Tu le jettes là, il vient par là. Tu le jettes là, tu dis, bon, ça, je vais ça. Les mikvés, Igamar ne peut plus me déranger. Je fais les mikvés à vie. Après, il va te déranger sur autre chose. Pourquoi? Parce que chaque endroit qui est faible en toi, c'est où tu dois travailler. Comprenez que c'est quoi cet Amalek? C'est marqué qu'Amalek, il vient quand Bnei Israël, il vous laissait Chanou Berepidim, il vous laissait reposer un petit peu. Amalek, il vient, il nous attaque. Quand on dit, bon, laisse un petit peu. Le problème, c'est qu'on peut reposer, mais toujours, comme je dis, tu peux manger, mais sache, tu peux faire un plaisir énorme dans ce monde. Mais n'oublie pas d'élever la matière. Tu ne peux pas vivre pour manger, vivre pour le matériel et être un non-matériel, et être une personne égoïste complètement. Tu es obligé de rentrer la spirituelle dans la matière. Sais-tu, la neshama et le corps, qui sont deux opposés, qui sont un combat. La neshama veut à côté d'Hachem, le corps veut le plaisir de cette monde. Donc c'est un combat. Comment je vais gagner que la neshama, que c'est la haret, c'est le ciel qui contrôle la terre? C'est que ma neshama, elle est nourrie. Si elle n'est pas nourrie, tu vas être toujours, tu cherches quelque chose, tu ne sais même pas ce que tu cherches. Une personne m'a dit, elle a tout, l'argent, au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Santé, grâce à Dieu, elle est jeune, elle m'a dit, même pas 33 ans, magnifique, tout est top, les enfants, très très bien. Elle a sans arrêt des angoisses terribles. Elle ne sait pas. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle n'a aucune goutte de rien. Hachem Ishmor. Où on est arrivé? Encore quelqu'un qui l'angoissait parce qu'il a vu un lion. Ok, le lion, il n'est plus là. Gamarnou. Mais quelqu'un qui a une angoisse, il ne sait pas pourquoi. Tu vas aller où comme ça? Alors, je lui dis, attention, commence pas aucun médicament. Attends, c'est de comprendre qu'Hachem, il te parle. Bon, elle a un problème, parce que je l'ai vu deux, trois fois. C'est une fille qui est... Sa faiblesse,
c'est qu'elle adore s'habiller pas très tsniout. D'accord? Maintenant, pourquoi elle, Dafka, la moitié des filles s'habillent pas tsniout, ils n'ont pas une angoisse, hein? Parce que peut-être elle, par rapport à sa neshama, elle, Kadosh Baruch Hu attend quelque chose d'elle et pas de Rina, Tzila et Rivka, qu'eux aussi ne s'habillent pas tsniout. Pourquoi Dafka elle? Parce que où il est, il y a une faiblesse, Kadosh Baruch Hu veut te réveiller à travers de cette faiblesse. Et c'est pour ça que tu tombes. Tu comprenais ou pas? C'est où le Yetzirah, où le mal s'attrape, où il y a un manque. Tu comprends? Si tu n'as pas un manque, où tu vas attraper? Il n'y a pas où se rattraper. C'est quoi le manque? C'est qu'il y a, ma neshama, elle attend que je remplisse cette cage. Et je ne le fais pas. Donc, c'est comme un appel au secours. C'est des exemples, il y a des milliers d'exemples comme ça. Maintenant, Stam, je vais donner un exemple comme ça. Ça peut être, il n'y a pas de, chaque personne cherche, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Quand on a un problème, à place de regarder la logique, attends, qu'est-ce qu'Hachem il me parle? Kadosh Baruch Hu, il veut me dire quelque chose. Donc j'analyse, dans la même manière que jusqu'à maintenant j'ai mangé une olive comme ça, Python, attends, il y a une spiritualité dans cette olive, dans le fait que je fais la bracha, je l'élève, et cette spiritualité, je rentre une partie quand je mange, une force pour mon corps, une force pour ma neshama, donc j'ai nourri les deux voisins là qui vivent en moi, d'accord, et je ne suis pas une voleuse, parce que j'ai demandé, t'es une olive, tu peux écrire un livre. Vous comprenez, c'est... Donc, comment on peut vivre notre vie comme ça, et dire, ça va... Comme ça, on verra. Ça, qu'est-ce que l'homme, il fait? Il cache les choses, il cache les yeux. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas lever et dire Hachem, je veux... Alors, il faut parler avec Hachem. Il faut dire Hachem, je ne connais rien du tout. Je ne connais rien et la vérité, je n'ai même pas envie de connaître. Parce que des fois, la vérité, l'homme, c'est plus facile de manger ce qu'il veut, de s'habiller comme il veut, de faire comme il veut. Ça, c'est un plaisir tout de suite. Chemin courte, qu'elle devient longue. Pourquoi elle devient longue? Parce qu'Hachem, il aime chacune de nous. On est ses enfants. Il ne veut pas, tu laisses, tu vois ton fils qu'il fait des choses pas bien. Tu vas les laisser, tu vas les laisser de le réveiller. Quand tu le réveilles, des fois, tu peux lui faire un peu mal. Mais c'est par amour, c'est pas parce que tu veux lui faire du mal. Hachem, des fois, il nous réveille. La manière qu'il nous réveille, des fois, elle n'est pas très agréable. Donc, tu peux te réveiller toi-même. Tu prends la Torah, et tu construis ton monde, brique par brique. Tu mets des barrières, parce que sinon tu tombes. C'est quoi les barrières? Où il est mon limite? Il y a des choses à ne pas écouter, des choses à ne pas voir, des choses... Comment ça, tout ce qu'on... Toute la chôte, on regarde un petit peu, on révise. C'est pas... Il faut pas se croire, parce que les Tzara, elle te dit, waouh, religieuse, tout quoi. Une femme, elle a pas besoin d'étudier un petit peu de la chôte quand tu vas... Cuisiner, tu as besoin de connaître un petit peu la halakhot, kasher, pas kasher. Shabbat, il y a des gens qui vivent avec plein d'interdictions Shabbat. Des années comme ça, ils ont interdit des choses. Ils commençaient à étudier plein de choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne savaient pas. Comme ça, il y avait une douda que ça, c'est interdit. Il vécu comme ça. Tu te maries, il y a plein d'halakhot, entre un homme et une femme, pureté familiale, il faut le connaître. Comment tu veux faire? Et les enfants? La pureté de la femme et l'homme influence les fœtus, les bébés, avant qu'ils brillent. C'est toute une gdoucha qu'il faut que le bébé avant qu'il arrive. Donc tout ça, on a besoin d'étudier. Tu n'as pas dit maintenant, va toute la journée comme un homme. L'homme, c'est une autre chose qu'il a mis une femme. Un peu de moussard, ce qu'on vient de faire, un petit peu. Et les athlètes, et tu travailles. Après, tu travailles sur tes midotes, et tu développes, et tu construis ton monde. Au moins, est-ce qu'il dépend de toi, cette crainte du ciel, toi, tu la développes. Est-ce qu'elle ne dépend pas de toi? La parnassa, la santé, je vais marier, je ne vais pas marier, les enfants, ça, laisse pour Hachem. Fais ton ishtadlut et laisse pour Hachem. Tu vas être plus sereine, plus heureuse, moins angoissée. Les gens, ils sont angoissés, pourquoi? Vous savez qu'en États-Unis, ils ont fait une statistique, ils ont vu que chez l'ONIDA, le pourcentage de ceux qui se suicident, c'est les médecins.
Parce que les médecins, s'ils n'ont pas cette tovana, vous savez que le médecin, il a une bracha à faire dans son cabinet. Il croit que c'est eux qui sont responsables. Donc quoi, tu as une personne devant toi, tu crois que tu as mal calculé, il est mort. Attends. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui le donne et c'est lui qui le prend. Maintenant, il fait tout dans une manière de nature. Que toi, tu dis, waouh, c'est le teva. Mais c'est le monde, il est beaucoup, 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 beaucoup. Je ne parle pas des gens qu'il faut, ils ne sont pas responsables. Je parle à fait qu'on fait les shtadlout. Les médecins, tu as une shtadlout, tu es obligé de faire tes efforts à fond. Après, c'est plus dans ta main. Le problème, c'est que l'homme, il oublie qu'il a un effort à faire. Il veut tout faire. Donc, si tu crois que tout dépend de toi, tu peux être très angoissé, très peur, très... Pas baissé-bras, parce que tout dépend... Qui t'a dit que tout dépend de toi? Pas du tout. Tu as un effort à faire. Tu as un effort à faire pour avoir des enfants. Tu dois te marier. Et après, Bezrat Hashem est avec ton mari et tu auras des enfants. Tu as un effort à faire pour l'élever. Tu ne peux pas dire non, 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 c'est dans la main d'Hachem, laisse-le dans la nature, pas du tout. C'est des neshamot qu'Hachem t'a mis. Tu fais ton maximum à toi, shtadlut, que toi tu peux. Tu es obligé de faire shtadlut pour ta santé. Tu ne peux pas dire non, non, c'est Hachem, refais ou me rappel. Attends, il ne faut pas trop savoir, Hachem, refais ou me rappel, quand toi tu fais le nécessaire. Il fait froid, couvre-toi. Il fait chaud, ne te couvre pas. Au contraire. Tu comprends? Il y a des choses à manger, des choses pas à manger, des choses à faire, ne pas faire, pas mettre en danger. Ça, c'est ishtadlout. Après, c'est plus. Moi, je fais mon travail. C'est comme ça qu'on peut vivre bien notre vie. Quand tu vois que les gens, ils veulent tout gérer, ils tombent dans plein de peurs parce qu'on ne peut pas tout gérer. Tu ne peux pas tout contrôler. Je crois qu'on va faire chez Akol. J'ai peur de... Allez-y. Non, attendez. Je n'ai pas fait chez Akol sans blanc, moi, avant. Je ne me rappelle plus. Est-ce que je n'ai pas fait avant? Chez Akol, je n'ai pas fait sans blanc. Non, non, mais moi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ah, ok. Non, parce que j'ai... Attends, tu m'envoies. Laurent, je fais une parine. Allez, attends, ça arrive. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Olam Shakol Yila. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question là. Il y a des questions. Vous êtes trop timide. Non, il faut les sortir. Non, la question, mais très perso. אני עומד על שפת נהר גבי כפוף ליבי נשבר וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ עם המגרת התינה אלף את שוקתי בינה הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה בצחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן ימאס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה רוח בנפש נכנס
עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה הסלע דמעה תפוצץ אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר הזה שכרי על פועלי בין שמיים וארץ אם אתקן את השבור ערער את הטאון ברור הלא לנצח דם שוטט בין שמיים וארץ אז נפלתי על ברכיים וביקשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה בצחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן ימאס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ נשכבתי על האדמה פרסה כנפיה הנשמה צחוק הרועם ומתגלגל מקצה עד קצה הארץ גם לב האבן ימאס רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ